Donc, je vais vous présenter mon travail qui porte sur le questionnaire de fatigue de l'enfant sportif et plus particulièrement de son intérêt dans un cadre de suivi clinique en médecine du sport. Donc, ce travail a été élaboré au sein du laboratoire INSERM de l'hôpital sud de Grenoble auquel j'appartiens. Donc, nous nous sommes posés à plusieurs moments la question de pourquoi disposer d'un outil diagnostique qui permettrait de rapidement évaluer l'apparition d'états de fatigue, non seulement rapidement, mais aussi facilement. Et en particulier, pour répondre à cette question, nous nous sommes dit c'est intéressant parce que les enfants pratiquent actuellement avec des volumes d'entraînement qui sont de plus en plus intensifs, mais aussi des durées d'entraînement qui sont de plus en plus importantes, alors même que les moyens de détecter ces états de fatigue n'étaient pas, à l'époque encore, disponibles. Nous nous sommes donc proposés d'élaborer un questionnaire adapté à cette population d'enfants âgés environ de 8 à 10 ans, à 15 ans, pardon. Avant tout, je vais juste me permettre de vous préciser un petit peu ce que nous entendons quand nous parlons de fatigue et effectivement comment nous la définissons. Donc nous définissons, nous, à Grenoble et dans notre équipe de travail, la fatigue selon une définition un petit peu dichotomique, mais assez pratique finalement, où il y aurait une première composante plus musculaire qui se traduit comme l'incapacité du sujet à maintenir un niveau de force suffisant pour une contraction musculaire donnée, et une seconde composante beaucoup plus centrale qui démarre au niveau des aires corticales et en particulier des aires motrices 41 et 45, 46, et qui rejoint ensuite par tout un ensemble de commandes de chaînes jusqu'à la plaque neuromusculaire et qui entraîne éventuellement cette fatigue centrale, une diminution de l'excitation motoneuronale, ce qui va évidemment ensuite impliquer tout un phénomène d'altération des processus de conduction du potentiel d'action. Par conséquent, effectivement, que la fatigue soit musculaire, c'est-à-dire plus périphérique ou centrale, elle répond à des mécanismes complexes, alors même que c'est tout de même un état physiologique tout à fait normal que d'être fatigué. Et d'ailleurs, c'est même notre unique système d'alarme avant qu'on en atteigne des états plus dramatiques parfois. Il faut donc, et il convient, de respecter profondément cette alarme qu'est la fatigue. Alors, quels sont les premiers signes de ces états de fatigue? Eh bien, on les connaît tous, c'est avant tout, effectivement, une diminution de la force musculaire, de sa vitesse et ou de sa puissance, telle que cela a été démontré maintenant depuis quelques années, où on voit bien que le pourcentage de contraction de la force musculaire volontaire diminue sous l'effet du temps et de la fatigue, et même aussi le pic de force. Donc ce résultat est assez consensuel et peu discuté. Mais néanmoins, quels sont les marqueurs objectifs dont on dispose en clinique pour effectivement diagnostiquer ces états de fatigue? Alors là aussi, on a des réponses dans la littérature qui sont assez consensuelles. Tout le monde connaît effectivement l'augmentation de la lactatémie musculaire, c'est peu discuté. Et puis évidemment, en parallèle, la diminution du pH, qui est d'ailleurs très très bien corrélée à la diminution de la concentration en HCO3-. Donc effectivement, sous l'effet de l'apparition de la fatigue au cours d'un exercice épuisant, cette acidose musculaire contribue effectivement à l'apparition de l'état de fatigue. Il existe d'autres marqueurs cliniques, métaboliques, un petit peu moins connus, mais néanmoins tout aussi importants, et je pense en particulier à l'hyperammoniémie, où on voit bien dans trois populations de sportifs ou de sujets contrôle qu'un effort d'une heure entraîne dans ces trois groupes une élévation de l'ammonium, et que effectivement, lorsque par contre on leur propose d'aller à épuisement, dans ces trois groupes, il existe une hyperammoniémie très sévère. Or, cette ammoniémie, si on arrive à en prendre un petit peu une part en charge par le biais du tissu hépatique, au bout d'un moment, cet NH3 va rester dans le courant circulatoire, puis il va avoir la mauvaise idée, ce NH3, de passer la barrière hémato-encéphalique. Et au niveau central, il provoque vraiment des états de fatigue centrale très, très importants, conduisant à des altérations des comportements moteurs, à de mauvais choix, de mauvaises anticipations. C'est toutes ces erreurs techniques, tactiques qu'on peut observer chez certains sportifs. Et puis, plus dramatiquement, cette hyperammoniémie centrale provoque parfois des schémas moteurs très inappropriés, voire des convulsions ou parfois même des comas. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous vous souvenez de cette image de cet athlète Schweiss qui arrive lors du marathon des Jeux Olympiques d'Atlanta dans un état d'épuisement considérable
Et effectivement, on voit bien que sa motricité n'est absolument plus adaptée à l'effort physique. Elle était dans un état d'épuisement complet. Alors, effectivement, il y a d'autres marqueurs métaboliques qui sont aussi assez bien décrits dans la littérature pour traduire les altérations sous l'effet de l'activité physique. On pense en particulier à cette altération de la fonction hormonale, dont néanmoins il faut quand même être un petit peu plus prudent parce que là les expressions sont plus tardives, plus à long terme, mais néanmoins elles existent. On connaît tous cette dysfonction du cycle menstruel, aménorrhée, dysménorrhée chez des sportives, mais il existe aussi quelques altérations significatives, en particulier chez des jeunes enfants qui sont soumis à des charges d'entraînement très importantes, et là évidemment tout le monde pense aux gymnastes. Et il y a eu une très belle étude qui a été proposée sur le cycle olympique 92-96, qui a suivi pendant 4 années des gymnastes. Et on voit bien, excusez-moi, que chez ces gymnastes, il existe une altération de la sécrétion d'œstradiol au moment de la puberté, quand on les compare au contrôle. Et quand on le met en parallèle avec les concentrations d'insuline growth factor 1, eh bien on voit bien qu'il y a une diminution très significative chez ces gymnastes. Or, l'IGF-1 est un très très bon marqueur de la charge d'entraînement, et c'est assez bien utilisé pour voir si les sujets sont fatigués ou non. Ce qui est plutôt rassurant quand même, c'est qu'à la fin, quand elles cessent leur carrière, elles reviennent au même niveau que les contrôles. Et puis je me suis juste permise de vous mettre ce petit graphique avec un facteur qui est moins connu, qui est le sulfate de DHEA. Le sulfate de DHEA est un marqueur de l'horloge biologique du déclenchement de la puberté. Et on voit bien que chez les sujets contrôles, aux alentours de 8-10 ans, ce sulfate de DHEA s'élève significativement, témoignant donc de la mise en route de l'horloge biologique pubertaire, alors que chez les gymnastes, eh bien, il va y avoir un sacré décalage qui explique le décalage pubertaire chez ces jeunes filles, d'où une maturation sexuelle très décalée dans le temps. Mais là, néanmoins aussi, on voit bien qu'elle rattrape les contrôles en fin de croissance. Enfin, depuis quelques années, il y a eu effectivement un nouvel intérêt qui a été porté sur les marqueurs inflammatoires, où là aussi on a de très très beaux résultats sous l'effet de la fatigue au cours d'exercices ultra-endurants épuisants, et où on voit par exemple que les leucocytes sont multipliés par 2,5 fois, et surtout on voit bien que l'IL-6 ici est multiplié par un facteur 12, tout comme la protéine C réactive qui est un bon marqueur de l'inflammation. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit bien que cette protéine C réactive qui témoigne quand même d'une inflammation musculaire entre autres, elle va persister longuement après cet effort endurant, témoignant d'un état de fatigue durable sur cette épreuve physique. Et puis effectivement, le dernier paramètre que j'ai relevé, c'est quand même la CK ou créatine kinase, qui est une enzyme qui normalement est exclusivement intramusculaire, qui ne sort jamais du muscle. Et on voit bien que sous l'effet de cet exercice épuisant, il va exister un phénomène de micro-lésion musculaire, c'est-à-dire que le muscle va souffrir localement, et en particulier le sarcolemme. Et ce sarcolemme va se perforer de petits trous par lesquels cette créatine kinase, qui normalement est exclusivement intramusculaire, va s'échapper dans le courant circulatoire et on va pouvoir la doser. Et on va pouvoir la doser à des concentrations excessivement augmentées, témoignant effectivement de micro-lésions et donc d'une souffrance musculaire. Alors, ces marqueurs, ils sont franchement très intéressants, mais néanmoins, ils restent quand même très controversés pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que ça a un coût. La seconde raison, c'est qu'on ne peut pas multiplier les prélèvements sanguins et on peut encore moins les multiplier quand il s'agit d'enfants. Et puis enfin, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des manifestations infectieuses intercurrentes qui peuvent aussi parfois bouleverser les formules sanguines. Donc, il ne faut pas uniquement se fier à ces marqueurs biologiques cliniques. Et comme Fallon l'avait d'ailleurs très très bien décrit dans sa revue de littérature en 2006 dans le British Journal of Sports Medicine, si les prélèvements sanguins et les marqueurs biologiques ont un intérêt dans les diagnostics de fatigue, il n'en reste pas moins que ce qui reste essentiel, c'est l'histoire clinique du patient. Et pourquoi ? Parce que la fatigue dépend aussi de très nombreux paramètres subjectifs et non pas que objectifs, comme les marqueurs cliniques. La motivation. Il y a des sportifs qui en ont assez de faire 20-25 heures d'entraînement par semaine, d'aller s'entraîner dans le froid, en altitude. Les situations de stress, répéter les compétitions, les matchs, les pressions des professionnels, des sponsors. Et puis enfin, toutes les altérations annexes, que ce soit celles liées au sommeil, à l'appétit, ou encore, et je repense là aussi aux gymnastes, parfois soumis à des régimes alimentaires très très stricts. Au final, après cette revue de littérature, on ne peut donc pas conclure qu'il existe une seule et unique cause de fatigue musculaire.
tout comme il n'existe pas un unique biomarqueur qui serait véritablement la clé pour diagnostiquer un état de fatigue. Par conséquent, les objectifs de notre travail étaient, pour la population des enfants et adolescents sportifs, de proposer un questionnaire qui leur permettrait très rapidement d'évaluer leur état de fatigue, et donc un questionnaire qu'ils comprennent facilement du point de vue du vocabulaire et qui ne soit pas trop long pour qu'il n'y ait pas de phénomène de lassitude lorsqu'ils le remplissent. Ce questionnaire devait ensuite évaluer l'ensemble des dimensions de la fatigue, c'est-à-dire des composantes plus physiques ou psychologiques ou comportementales ou autres, et enfin être validé auprès d'une large population auprès de laquelle nous étions à même de démontrer l'intérêt de l'utilisation de ce questionnaire. Alors, qu'est-ce que ce questionnaire de fatigue de l'enfant sportif, ou QFES, comme on l'appelle ? Eh bien, c'est un questionnaire qui est fait en deux pages. Une première page de renseignements cliniques très facile, et puis une deuxième page qui va évaluer au travers d'items deux grandes dimensions qu'on peut ainsi séparer. Une dimension plus physique, avec des critères qui évaluent l'aptitude, la performance, les pathologies et tout ce qui est sommeil et appétit. Et puis une autre dimension plus psychologique, où là, on va retenir un petit peu les modifications de concentration à l'école, dans le travail, tout ce qui est relationnel ou comportemental, la confiance, l'anxiété et la motivation à aller s'entraîner. Ensuite, donc, ce questionnaire, comme je vous le disais, une première page de renseignements cliniques classiques, puis le tableau comportant 30 items. Ces items, les enfants y répondent en surlignant avec un fluo ou en entourant, comme ils veulent, selon cette échelle qui est faite en 5 niveaux, et ils répondent comme ils le ressentent pour chacune de ces questions. Donc ces questions sont écrites sous forme fermée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent que répondre en utilisant l'échelle hiérarchisée, c'est ce qu'on appelle une échelle de Likert, ce qui nous va nous permettre de calculer des scores de fatigue, des moyennes, et de faire éventuellement des mesures de dispersion ensuite. L'analyse en elle-même du questionnaire est très facile et aisée. Elle permet de calculer ce que l'on appelle donc le score de fatigue. Un enfant qui répondrait 30 fois jamais aurait donc 30 fois x 0 points, c'est-à-dire 0 sur 120. Un autre enfant répondrait 30 fois très souvent, il aurait 30 fois 4 points, soit 120 points. On fait ainsi le total de chacune des colonnes, on additionne toutes les colonnes et on obtient donc un score sur 120 points. Et le seuil d'alerte d'un enfant fatigué, en référence aux travaux qui avaient été faits dans les années 90-92 par le groupe de travail sur la fatigue de l'adulte de la Société française de médecine du sport, qui avait situé ce seuil d'alerte au 10e percentile, a donc pour le questionnaire enfant été situé à 45 sur 120. Par conséquent, tout enfant qui s'approche des 45 ou qui dépasse les 45 sur 120 est un enfant pour lequel on doit prêter une attention particulière. Alors, comment avons-nous ensuite, nous, utilisé ce questionnaire dans le suivi d'enfants sportifs ? Alors, nous avons fait une première étude sur 780 enfants qui avaient pour but d'évaluer l'incidence de l'âge, du genre et du type de sport pratiqué sur les réponses au questionnaire. Et donc, sur les 780, en premier, nous voulions nous assurer qu'en fonction de l'âge des enfants, il n'y ait pas un éventuel effet puberté ou un effet âge tout court. Et donc, les résultats montrent qu'il n'y a aucune différence significative. Du groupe des 8 ans jusqu'au groupe des 16 ans, ils répondent de façon homogène, et ce, qu'ils soient sédentaires, sportifs ou groupe complet. Ensuite, nous avons regardé un effet genre, et là, effectivement, ce que l'on peut observer, c'est que les filles scorent toujours plus haut que les garçons, environ 5%. Alors, ce résultat n'est pas spécifique de notre échantillon, tout comme il n'est pas spécifique, par exemple, des sportives ou des sédentaires. Et il avait déjà été rapporté dans des études plus psychosociales, et en particulier par les travaux de Nagan, qui avait montré que effectivement les filles aussi, dans son étude, scorent beaucoup plus fort sur les évaluations de fatigue lorsqu'on les évalue dans le cadre donc, des évaluations scolaires. Ensuite, nous avons regardé ce qui pouvait faire la différence entre des sédentaires et des sportifs, et on voit qu'il n'y a pas d'effet activité entre les deux groupes, ce qui est plutôt d'ailleurs rassurant, parce que ça veut dire que le sport n'induit pas une fatigue particulière chez ces enfants et qu'ils supportent, lorsque l'entraînement est bien construit, qu'ils supportent tout à fait correctement leur entraînement hebdomadaire. Mais néanmoins, je me suis ensuite un petit peu amusée à croiser donc les deux, effet genre et effet sport. Et là, on retrouve encore cette même supériorité des filles, qu'elles soient sédentaires
ou qu'elle soit sportive par rapport aux garçons. Et il y a bien un effet genre sur l'évaluation de la fatigue, ce qui, de toute façon, sociologiquement, est assez bien expliqué. Les garçons ont toujours plus de mal à admettre qu'ils sont fatigués parce que sociologiquement, ce serait admettre une certaine forme de faiblesse que pour certains d'entre eux, ils n'admettent pas d'admettre. Voilà. Alors ensuite, nous nous sommes intéressés à la sensibilité de notre questionnaire. Nous avons donc extrait de notre groupe des 780 enfants ceux qui, sur la première page de leur enseignement clinique, nous précisaient être malade, être blessé ou ne pas être vraiment en forme au moment où ils remplissaient le questionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants savent visiblement plutôt très bien évaluer leur état de fatigue et que quand ils sont fatigués, ils savent exprimer ces signes de fatigue. Et donc, c'est vrai que ce questionnaire est un outil relativement sensible pour évaluer cet état de fatigue de la part des enfants. Donc, en première conclusion à ce travail qui portait quand même sur une cohorte importante, on peut retenir que le questionnaire QFES est un outil plutôt intéressant pour évaluer les premiers signes, soit de fatigue ou de surcharge, et de méformes physiques. Il permet donc à l'entraîneur et à l'équipe médico-technique de rapidement adapter les charges d'entraînement pour prévenir toute éventuelle aggravation de cet état de fatigue et empêcher les enfants d'aller vers une blessure éventuelle qui serait plus grave et ou un adolescent qui pourrait carrément même compromettre la suite de sa carrière sportive. Ce questionnaire s'avère donc être visiblement pour nous un bon outil préventif. Nous avons ensuite proposé donc une seconde étude qui portait sur 78 jeunes skieurs. Alors c'est un peu particulier, notre système scolaire donc a une période qui s'appelle le collège et donc pendant toute une génération de collégiens, nous avons suivi ces enfants sur leur scolarité au collège. Nous avions donc 39 jeunes filles et 39 garçons. Ce sont des enfants qui, on appelle chez nous ça, sont en sport-études, c'est-à-dire sont des enfants qui sont présélectionnables au futur Pôle France pour rentrer en équipe de France. Et ils s'entraînent entre 12 à 16 heures par semaine. Nous les avons donc suivis selon leur entrée au collège sur 4 ou 2 années, ça dépendait. Et ensuite, on a eu l'opportunité de un petit peu plus affiner notre suivi en les suivant particulièrement dans les périodes de compétition. Ce qu'on peut remarquer, ce qui est assez quand même notable, c'est que ces enfants présentent presque pour 1 sur 3 une pathologie de croissance, quel qu'en soit le type. Souvent quand même, et là c'était des skieurs, donc c'était souvent lié quand même membre inférieur, pas vraiment de Scheuermann au niveau de la colonne, mais beaucoup d'os gutulateur, quelques Siding-Larsen, et des maladies de Sever au talon. Et vous voyez, c'est presque un tiers des enfants, ce qui est quand même assez important déjà par rapport à la prévalence de ces pathologies dans la population normale. Et puis, ce qui est bien, bien plus intéressant, c'est que quand même la moitié d'entre eux, à un moment donné du suivi, ont tous présenté une infection ORL. Et ça, c'est un des signes cliniques que Fry et collaborateurs avaient déjà évoqué dans les premières publications de fatigue et de surentraînement chez l'adulte. Le signe d'appel des états de fatigue, c'est très souvent une infection ORL, le nez qui coule, une oreille qui fait mal, la gorge qui pique. Et ces enfants, eh ben, pour plus de la moitié d'entre eux, ont à un moment donné montré ce type d'infection. Alors ensuite, nous avons retrouvé sur l'ensemble de notre suivi, eh bien, toujours ces filles qui scorent beaucoup plus haut que les garçons, que ce soit toutes les filles de notre échantillon ou que ce soit les filles qui soient en ski de fond ou en ski alpin. Et puis ensuite, on peut aussi noter que quand même, les jeunes qui font du ski de fond, c'est-à-dire ceux-ci en noir là, sont un petit peu plus fatigués que lorsqu'ils font du ski alpin, ce qui est aussi normal parce qu'ils ont des volumes d'entraînement plus orientés endurance, importants que les alpins. Et dans cette étude sur les enfants du lycée, nous avons aussi donc une majoration du groupe des 14 ans. Et là, c'est lié au fait que ces enfants, sur cette année de sélection, vont être très soumis à des charges de compétition qui vont leur permettre d'accéder au Pôle France ou de ne pas y accéder. Et donc, pour certains d'entre eux, eh bien, en dehors même de la structure entraînement, ils se rajoutent de l'entraînement pour essayer de s'ouvrir les portes du Pôle France. Ce qui explique sans aucun doute que ce groupe est plus fatigué que les autres enfants. Et puis, on voit bien aussi des périodes un petit peu plus sensibles. C'est à chaque fois les fins de saison qui montrent les pics de fatigue les plus importants.
et déjà des signes annonciateurs de cette fatigue au cours de périodes de compétition. Donc, suite à cette seconde étude, ce qui a été retenu, c'est que notre outil permet de mettre en lumière des périodes sensibles, en particulier les périodes de compétition, où il y a peu de récupération et où des mauvaises adaptations à l'entraînement, qui sont souvent liées à des pathologies ou à des blessures, et que ce qui pour nous devenait intéressant, c'était donc d'individualiser ce suivi des enfants. On peut toujours remarquer aussi que les filles semblent donc toujours plus sensibles que les garçons à l'apparition des états de fatigue. Donc la troisième étude que nous avons faite, c'était un suivi de cas clinique sur deux jeunes sportifs, un petit skieur et une jeune fille qui fait pratiquer le ski de fond. Donc sur ce jeune petit skieur, donc c'est un petit garçon de 12 ans qui pratique le ski alpin, donc juste avant le niveau France. Donc vous voyez ici qu'il a rempli à plusieurs temps le questionnaire et que quand il a commencé à avoir les premiers signes de pathologie de croissance, le score de fatigue s'élève. Le médecin de l'équipe décide de le mettre au repos 2 mois et on voit que ça se normalise vraiment bien. Il revient, il reprend l'entraînement avec un stage en volume. Et là, de nouveau, les signes cliniques réaugmentent et sont de nouveau évoqués par l'enfant avec en plus des problèmes de sommeil. Et on voit que son questionnaire de fatigue montre immédiatement effectivement cette élévation de la fatigue. Il est mis au repos 15 jours. Ça ne va pas mieux, ça s'aggrave même. Et là, le questionnaire de fatigue s'élève encore et on voit qu'il est nécessaire de le mettre au repos complet pendant 3 mois pour que le questionnaire se renormalise. Le second sujet présenté dans notre étude, c'était donc cette jeune fille de 12 ans, elle aussi, qui pratiquait le ski de fond. Alors, cette tendance des jeunes filles à scorer toujours un peu plus haut. Et puis, cette jeune fille va se faire donc une entorse de cheville. Et là, c'est très net, le questionnaire dépasse significativement l'alarme. Elle est mise sur un premier repos classique pour une entorse. Ça ne va pas mieux. Elle se plaint en plus de troubles du sommeil. Le questionnaire reste trop haut. Le médecin décide de la mettre 3 mois à l'arrêt, puisque les douleurs sont persistantes au niveau de la cheville. Le questionnaire se normalise, plutôt même très bien par rapport à tout ce qu'on avait précédemment. Mais lorsqu'elle reprend l'entraînement, elle se rend compte que les 3 mois d'arrêt ont induit chez elle une nette diminution de son niveau, qu'elle a pris beaucoup de retard dans sa préparation. Et elle va donc littéralement abandonner le sport de haut niveau et quitter la structure interrégionale. Donc ces deux cas confirment l'intérêt à individualiser sur un long terme le suivi individuel des enfants, mais que chaque enfant est très différent dans sa réponse et dans sa tolérance à l'exercice physique. L'utilisation du questionnaire au vu de ces premières études nous confirme le fait qu'il faut individualiser les suivis cliniques des enfants et qu'il faut utiliser cet outil dans un cadre préventif. Alors cependant, si le questionnaire nous semble depuis très longtemps maintenant très intéressant pour la clinique de médecine du sport, il nous semblait encore plus intéressant de pouvoir l'associer avec d'autres mesures cliniques. Et en particulier, nous avons donc depuis quelques années maintenant couplé le questionnaire à de la variabilité de fréquence cardiaque pour assurer un suivi de nos jeunes. Alors pourquoi la variabilité de la fréquence cardiaque? Parce que c'est une méthode clinique qui est très souvent utilisée et qui se démocratise énormément avec les cardiofréquencemètres actuellement et donc qui connaît un essor considérable en médecine du sport, alors même que c'est déjà bien connu depuis longtemps en cardiologie où il existe une excellente corrélation entre une basse fréquence variabilité et des risques cardiovasculaires élevés. À titre d'exemple, je vous ai mis ces deux... Pardon, excusez-moi. On va y arriver. Ces deux petits diagrammes où vous voyez ici une jeune fille de 20 ans en excellente santé et vous voyez qu'elle a une excellente variabilité et donc un cœur qui répond à tous les stress, que ceci soit physique ou psychologique. Et puis, à contrario, je vous ai mis donc un des patients que j'ai eu récemment qui, lui, eh bien, est un monsieur de 69 ans, surpoids, obésité de degré 3, gros facteur de risque, suspicion de fibromyalgie, enfin bref, un tableau clinique un petit peu compliqué. Et vous voyez que lui, eh bien, il n'a plus de variabilité. Nous, on dit qu'il est plat. Et quand un patient présente ce profil-là, ce n'est pas de très bon pronostic. Il vaut mieux avoir une excellente variabilité comme cela que ceci. Alors, juste quelques précisions, je vais essayer d'aller vite. Donc, la variabilité de la fréquence cardiaque nous permet d'estimer l'activité du système nerveux autonome qui, par sa branche donc, parasympathique ici en jaune, et donc ce gros nerf vague va permettre à l'ensemble de nos fonctions organiques d'être plutôt ralenties, permettant la récupération, et à contrario, donc par l'ensemble des innervations en rouge ici, qui sont les innervations sympathiques, d'accélérer l'ensemble de nos fonctions, et qui est plutôt donc, très stimulant.
Il existe donc au repos ce que l'on appelle une balance sympathovagale entre le sympathique et le parasympathique, balance qui normalement est parfaitement équilibrée. Alors, comment fait-on ? Eh bien, on utilise la fréquence cardiaque et en particulier son adaptabilité, donc sa variabilité, comme étant le témoin de l'activité du système nerveux autonome qui, par sa branche sympathique, accélère le cœur ou ce parasympathique va la ralentir. Et ensuite, nous, eh bien, on utilise l'électrocardiogramme et en particulier chaque pic R que vous voyez sur cette ECG qui est mesuré en temps. On fait le recueil de tous les intervalles RR et par une transformée de Fourier, eh bien, on obtient une analyse spectrale. Et par cette analyse spectrale, on a donc une basse fréquence, une haute fréquence et une puissance totale. Sachant que les hautes fréquences, les HF, représentent le tonus parasympathique et les LF représentent un amalgame sympathique et parasympathique avec une forte domination sympathique. Et qu'en calculant le rapport LF sur HF, on obtient donc la balance sympathovagale. Alors, dans le cadre de ce couplage variabilité questionnaire, on a suivi à l'hôpital, donc 8 jeunes footballeurs qui jouaient donc au niveau Ligue Rhône-Alpes, qui jouaient chaque semaine 80 minutes. Donc ils étaient tous enregistrés la nuit, soit une nuit après une journée de repos, soit une journée après un entraînement, et une journée où ils avaient un match, et systématiquement ils remplissaient un questionnaire de fatigue. Donc, ce que vous pouvez très rapidement observer, c'est que c'était des enfants qui étaient très homogènes, tous joués au même niveau dans la même équipe, étaient à peu près du même âge. Et vous pouvez déjà remarquer qu'ils ont des VO2 qui sont plutôt satisfaisantes, avec même un sujet qui est bien au-dessus des valeurs moyennes pour cet âge. Ensuite, au niveau de l'entraînement, c'est tout à fait classique. Ils s'entraînent 3 fois par semaine avec des journées de récupération, il n'y a aucun souci. Nous, on a donc procédé ensuite sur les nuits, on a extrait les 30 minutes de la première phase de sommeil lent, sur laquelle on fait notre analyse de variabilité, qui nous permet d'avoir une fréquence cardiaque moyenne, et puis justement de calculer soit le tonus parasympathique, soit la variabilité, ce fameux petit diagramme que je vous ai montré au début. Et là, ce que vous pouvez donc remarquer, c'est qu'après un match, sur la nuit qui suit le match, eh bien, les enfants maintiennent une fréquence cardiaque significativement plus élevée qu'au repos, sur toute la nuit après le match. Et ça témoigne tout simplement d'une activité de récupération nécessaire pour l'organisme. Et puis, effectivement, cette variabilité qui est mesurée par le PNN50 ici, vous voyez qu'elle s'effondre après le match, témoignant effectivement d'un état de fatigue chez ces jeunes entre une journée de repos et une journée avec un match. Si on met en lien ces résultats avec le questionnaire, là aussi, il n'y a pas photo, au repos, ils sont à 13, et après un match, ils s'élèvent à plus de 33, témoignant effectivement d'une fatigue physique et psychologique, sans aucun doute liée à l'état de compétition, après un match. Alors, sur les variables spectrales, eh bien, on retrouve des résultats qui sont concordants avec une augmentation de la bande LF, qui est l'augmentation de l'activité sympathique, avec une diminution du parasympathique. Ces deux résultats expliquent pourquoi la fréquence cardiaque reste élevée toute la nuit après la compétition. Et effectivement, on voit bien que l'équilibre sympathovagal est perturbé après le match, puisqu'il s'élève significativement. Donc, on a regardé plus précisément sur un enfant ce qui se passait chez un adolescent, et on retrouve aussi chez cet adolescent un même rapport sympathovagal qui se retrouve significativement augmenté et qui est bien corrélé avec un score de fatigue qui s'élève. En discussion-conclusion, donc sous l'effet d'une fatigue importante, la composante parasympathique est altérée, témoignant donc d'un ajustement de ce tonus parasympathique, qu'il existe une tachycardie post-match avec baisse de la variabilité qui persiste une nuit complète, témoignant d'un déséquilibre autonomique avec donc une majoration du tonus sympathique et un tonus parasympathique émoussé. Ces indicateurs sont bien corrélés avec les scores de fatigue et donc effectivement, on peut conclure que la variabilité de la fréquence cardiaque est un outil très intéressant pour détecter des états de fatigue chez de jeunes athlètes. C'est un outil relativement simple à utiliser et qui permet de rapidement suivre les adaptations autonomiques en période de compétition. Et donc,
je peux conclure que le questionnaire n'est pas un outil qui est plus valable qu'un autre ou moins valable, mais par contre, c'est vrai que l'intérêt de le coupler à d'autres mesures cliniques permet d'avoir des outils complémentaires qui sont d'une grande pertinence pour affiner les diagnostics de fatigue chez des sportifs. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut quand même laisser aux enfants le temps du jeu et je vous remercie sincèrement pour votre attention.